Allez, salut à tous, c'est MaFiMiSur30 et bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Assassin's Creed Rogue. On est tranquille, les bricoles comme ça, on va les déglinguer. Comme ça, sans respect. Et si toi, cette fois-ci, je vous sauve. Et ici, chouine. Voilà, mon ami. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes un héros. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon ami. Là, maintenant, nous sommes amis. Là. Du coup, il faudra aller où? Faudra aller là, d'accord. Alors, allons là. Chopons le truc. Et puis, avançons. Voilà. Ça. C'est fait. Croix Templier. Et 2-3. Si ça fait pas plaisir, ça, je sais pas ce qui fait plaisir, comme j'ai déjà dit. Oui, nous passons ainsi maintenant. Allons voir maintenant cette foutue quête qu'on va devoir faire. De toute façon, on a tous les coffres d'ici, du coup. D'abord, aider les gens dans le besoin. Je n'aurais jamais cru dire ça à un parfait étranger. Mais je vous dois la vie. À toi! C'est toi qui m'en voulais. Ok. C'était juste pour savoir. Ah, c'était toi qui m'en voulais. C'était juste pour savoir. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui m'en veulent. Hein. Oh là là. Pourquoi ils m'en veulent tous comme ça? Aucune idée. Oh, ici, je vais être emmerdé. Et que pourtant, je veux juste passer. Non? Quel miracle. J'aurais cru que je me ferais emmerder, mais non. Ben, je suis bien content. Moi, j'ai pas toute cette poursuite à avoir. Nous allons tranquillement à cette quête et on va être en paix. Enfin, j'espère. Pour l'instant, j'entends pas de bruit de. Ah, ouais, si tu veux. J'aime bien passer comme ça. Touk, touk, touk. Hop là. Poursuivons. Oh non, on y est. On était tranquille jusqu'à la fin. Bonjour. Ah, mais j'y vais. M'a fait peur. Où est ton chef? Je ne dirai rien. Il me tuerait. Si tu ne dis rien, il te tuera. Dans le grand manoir. Celui avec les jardins. Tu es prêt? Ouais. Il a pas dit que qu'il te tuerait pas si tu le fais pas, hein. Allez, vous n'avez pas dit que vous aviez une lame secrète. Parce que tu croyais être le seul? Eh bien, en fait, je le pensais, oui. Où l'avez-vous obtenu? Ils ont un don de la confrérie. Je vois. Alors, notre mission a réussi. L'armée devrait se mettre en mouvement d'un moment à l'autre. Bien. Nous n'avons pas assez de ressources pour disposer de ces criminels. Avec un peu de chance, nous en serons débarrassés pour de bon. Je crée ma propre chance. Il à présent, tranchons la tête du serpent. Oui, Tan, je te suis. Chef, nous en sommes certains. La femme est ici. Je vais m'occuper de trouver Hope. Il est temps de la débusquer. Non. Et ici. Et ici. Voilà. Regardez-le. Ah ouais, j'aurais pas aimé mourir comme ça, moi. Ok. Genre, tu m'aurais eu, de toute façon, j'aurais pété mon câble. Mais viens ici. Voilà. Allez, tac.
Mais oui, mais... Non. Jamais. Jamais je ne laisserai un enfant, un bébé surtout, comme ça tout seul. Je suis là, ne t'inquiète pas. Jamais je ne ferai ça. Ah ouais, ah ouais, de ce côté-là, on a encore plein de coffres à avoir. Ah ouais. Ah, on a passé la barre des 30 000. On l'avait peut-être passé avant, mais que je vais être sur mon bras, quoi. Bon, allez, allons-y. Il faut y arriver. Il y en a un autre de ce côté. Ah, je l'ai vu. Mais cette fois-ci, je vais pas refaire. Je rebrousse les chemins. Elle doit être là. Ouais. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Bon, le chevalier doit m'attendre. Hope. Bon voyage. Elle m'a vu. Salut. Aïe. Oui. Il était temps que tu comptes. Désolé qu'on doive en arriver là. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? What, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Tu es un être fascinant. Tu te fous de ma gueule? C'est ça ta méthode pour me tuer? Une méthode de lâche? Une méthode de lâche? Une méthode de lâche, comme ça. Oh, comme par hasard. Mais sérieux, une méthode de lâche. Elle est comme ça. La lâcheté la plus totale. Quelle lâcheté. Je sais pas, c'est par là. Non, c'est pas, c'est pas. Ici. Tic, tic, voilà. Tu es bien plus endurant que je l'imaginais. Non, tu crois? Ah! Putain la pute! Tiens, mal! Ce poison, il ralentit mon cœur. Il faut que je bouge. Hey, c'est ça. Bougez pour que mon cœur tienne. I have a good line on him. Faut que mon cœur. Allez, faut qu'il tienne. Allez, mon cœur. Allez. Un peu de courage, mon sang. Et l'antidote. Ah ouais, sinon c'est la merde, c'est ça. Mais genre. Let him think he's losing. Stop. We'll surprise him. Let's have him. Just a man. Just a he's man. Not getting through. Aïe. Oh, mais c'était mignon. What? Il va me remettre où? Parce que là, comment tu voulais? J'étais obligé de me battre contre eux d'abord. Ou alors je devais les esquiver. Ouais, mais je dois courir. Tu me demandes des trucs compliqués. Voilà, je préfère. C'est mieux ainsi. Peu importe, le poison aura raison de toi. Elle est où? Elle est là. Putain, t'es une pute. T'es une pute qui fait mal. Faut que je continue de courir, faut que je continue de courir. Faut pas que je m'arrête de courir. Voilà. Surtout pas s'arrêter de courir. Espèce d'enfoiré. Tu sais pas me laisser tranquille. Ah, tu veux que je fasse le même? Oui. Aïe. Non. Mais ça va. Ça s'est bien passé. Elle va encore en remettre une sur moi. Hein. Sinon c'est pas marrant, c'est ça. Comme de fait. Mais cette fois-ci, je l'ai esquivé!
Elle, par contre, je la fais en mode assassin. Elle, je la fais en mode assassin direct. Chouing. Merde. Mon cœur. Ça va mieux. Tu arrives encore trop tard. Je m'en fous. Je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai formé pour ça. Tu ne m'as pas déçu. Alors pourquoi? Pour donner à Liam le temps de fuir. Bientôt, le chevalier atteindra le site des précurseurs. Je serai sur sa route. Il te verra arriver. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes... Dommage. Tu étais si prometteur. Une belle bande d'idiots que vous êtes. Allez, on se casse. Mission accomplie. Ah, j'ai pas réussi. What? Non, j'ai pas. Ah, il y avait genre. Non, j'ai pas le combat, ok. Ah, je l'ai engagé totalement avec l'autre qui était en plein milieu. En même temps, j'avais pas le choix. L'autre, il est comme ça en plein milieu. Moi, je vois ça, j'ai envie de le taper. Moi, quand je vois du jaune, c'est comme le rouge. On a envie de foncer dessus. Ah là, c'était le jaune, j'avais envie de foncer dessus. Chaque fois, les jaunes, ils essaient de me tuer. Croyez quoi? Puis j'allais me laisser faire. Est-ce qu'il y a loin à aller? On verra, mais... Je vais quand même voir avant. Non, ça va. Mais non, ça va. Il n'y a pas loin à aller. Mais peut-être que tu peux aller en déplacement rapide. C'est plus classe de faire ici. Et ça fait surtout perdre de temps. Mais non, ça va, ça va. On a 2000 mètres. Hein. 2000 mètres, c'est long. 20 mètres. Tu serais déjà arrivé. 200 mètres. Ah, là, c'est déjà plus possible. Allez, on fonce. Allez. On y va. Paros. Allons-y. Le capitaine est de retour. Où est mon équipage? Où est mon... Capitaine à la barre! Où est mon équipage, en fait? Je sais pas où est mon équipage et j'aime pas ça. Hein? Il est où, mon équipage, comme j'ai dit? J'ai une idée de tout ce qu'il est, mais... Hein? J'ai une idée. Comme par hasard, ils vont... Arrivé comme par magie. Si vous me dites qu'ils étaient en train de boire du rhum. S'ils étaient quelque part avec... Voilà, dans l'Atlantique. Shay et les Templiers sont sur la piste de l'expédition des assassins. On touche au but. Quoi, on est déjà bientôt à la fin? Non. Sérieux? En même temps, c'est vrai que ils ont dit que c'était le plus... qu'il était plus court, celui-là. Ouais. On serait peut-être à la dernière ligne droite déjà. Wow! J'aurais jamais cru qu'on arriverait aussi vite. Ouais, quand même. Aussi vite que ça. Mais il reste encore quand même pas mal de... 1, 2... Allez, on va compter le chevalier. 3. Ouais, 3 raids, bon, alors. Il reste 3 personnes à choper. Est-ce qu'on s'allie directement, par contre? C'est marrant, mais... Oh, ça allait directement. Eh oh! Pas perdre de temps ainsi, inutilement, hein! Je bec, j'aime bien la voyage en mer, quoi. Ça fait stylé, que ça fait RP, tout ce que tu veux, mais. C'est long. C'est sacré. Je peux m'arrêter ici. Je m'arrête ici. Hein. Non! Je voulais pas faire ça. Redescends. Redescends! Voilà. Et là, vous avez fait quoi? C'était pour être stylé. Cherche-toi. Cherche pas, j'aime bien. Ah, monsieur le capitaine. Master Cormac, que me vaut ce grand plaisir? J'étais venu me ravitailler lorsque j'ai appris que le merveilleux capitaine Cook se trouvait ici. Puis-je vous parler? À votre service, comme toujours. Je cherche un homme.
Le capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérendrye. L'explorateur ? J'ai entendu parler de lui et de son illustre famille. Je dois le voir. Ah, faites-lui mes amitiés. Enfin, si vous voulez. Il a mis le cap à l'est il y a quelques jours, en direction d'Anticosti. Anticosti. Shay, soyez prudent. Oh, je connais les lieux. Alors, je vous souhaite bonne fortune. Je m'apprête à traverser la baie de la Conception, au cas où vous auriez besoin d'aide. Trop aimable. Merci. Merci, Capitaine Cook. Donc, Anticosti. Le grand maître est satisfait. Après ce que tu as fait à New York, l'ordre reprendra le contrôle des colonies sans tarder. L'ordre ne s'est jamais établi à New York, Gist. Mais maintenant que Hope est morte. Ah, ça n'a pas dû être facile, mon ami. Mais tu as accompli ton devoir sans faillir. J'essaie de m'en convaincre. Nous avons quasiment éradiqué les assassins de New York. N'oublie pas que ton ami voulait te voir mort. Il n'avait pas d'autre choix. C'est pas faux. J'ai fait le choix de me rallier aux Templiers. Ça aussi. Et nous t'en sommes reconnaissants, Shay. Sans cela, peut-être aurais-tu fini au bout de la lame de Master Kenway. Ou de la tienne. Oh. Absolument. Écoute, Shay. En tuant Hope, tu t'es affranchi du poison des assassins, tu as libéré une ville de leurs joues, et tu nous as révélé la voie que nous devons suivre. Notre tâche est simple. Empêcher ces barbares de détruire une autre ville. Et tout cela avant la tombée du jour. Alors, la journée sera longue. Je ne veux pas paraître insensible, mais... T'as appris Hope avant de mourir. Que je l'avais sous-estimé. Son seul but était de donner à Liam le temps de rejoindre le chevalier. Ils sont sans doute déjà en route pour le prochain site des précurseurs. Assassin jusqu'à son dernier sou. Et ça. Je dois dire que je l'admire. Ah bon ? Pas moi. Les assassins sont prêts à toutes les folies pour trouver un fragment d'Éden. Surtout maintenant que la moitié de leur confrérie a été éliminée. Là, comme par hasard, ici. Ouais. Si tu savais, nous aussi, tu me diras, on est capable de tout. On y va alors. Il existe peut-être une autre route à l'ouest. C'est peut-être mieux parce que... Encore avec ces saloperies... Ah, on n'aura pas su la voie, dommage. Bon, c'est l'esquiver, normalement. Sans trop de mal, normalement. Ouais, sans trop de mal, voilà. L'esquiver vers l'arrière du fort, ouais. Ok, on y va. Anticosti est un cimetière d'épaves. Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un osera s'aventurer dans des eaux si dangereuses. Seuls les fous et les idiots en sont capables. Méfiez-vous des icebergs, capitaine. Bah, j'ai pas besoin de me méfier des icebergs, que... Le capitaine est à l'eau. Vu que j'y vais. C'est parti. 8 à un conflit ouvert. Et un conflit fermé. Ça veut dire que je les tue et qu'après qu'on est tranquille, ça... C'est possible? Je peux? J'ai le droit? Cet homme a perdu tout honneur. Son âme est rongée par la convoitise. Ça y est, ça recommence. Au point de menacer notre existence même. Nous n'obéissons qu'à nos propres lois. Or, ces lois décrètent que toute trahison est sanctionnée du châtiment suprême. Tchoui. On ne désobéit pas impunément au code. Maintenant... Regagnez vos postes. Il se méritait la mort. Si on l'avait pas débattu, nous aurions envahi. Mes plus sincères remerciements, monsieur. Genre ça, c'est pas un conflit ouvert. C'est pas un conflit ouvert. Trop infeste encore cette île. Faut bien se dire que tôt ou tard, quelqu'un devait servir d'exemple. Le capitaine est comme enragé depuis le départ en France. Je ne l'ai jamais aimé. Allez, voilà. Faut que je passe en vitesse, par contre. Voilà. C'est pas confus ouvert.
Non, c'est pas un conflit ouvert. J'ai eu peur. J'essaye, hein, et je sais que des fois j'y arrive pas, mais des fois j'essaye quand même. Ok, c'est quelqu'un de vivant. Ça, ça s'appelle un conflit ouvert. C'est ça, hein. Ça, c'est un conflit ouvert. Ouais. C'est ça qu'on appelle un conflit ouvert. Ça, c'est un conflit ouvert. Où ça? Ça va. Par contre, les lames... C'est marrant 2 minutes, mais attends, on va voir ça. Pourquoi t'es descendu ton perchoir? Quelle idée de merde. Je vais plus vite que toi. Et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. C'est triste la vie des fois. Putain, ils l'ont perdu. Quel désenculé. Ces documents ne sont rien qu'un ramassis de simples. Il est temps de regagner le Morrigan. Attends, je m'occupe de deux avant. Culé. Eh bien, je vois pas lui. Par contre, si je vois pas, ça va pas le faire. Y'a rien ici au fait. Non, y'a juste un point d'observation. Là. Mais sinon, non, y'a rien d'important. Ok, on peut se barrer d'ici là. Ok, on se casse. On se casse, on se casse. Bon, de toute façon, le conflit ouvert, il est là depuis je sais pas combien de temps. Du coup, maintenant, le conflit est. C'est pas sur moi que vous tirez, j'espère. C'est sur l'île. En gros, vous tirez sur moi. Oui, mais précisément sur l'île. Non, je t'en fous, très servi au même. On passe par là, c'est ça? On repasse par. Même chose de l'autre côté. Malédiction. Ils l'ont repéré. Ah non, on tire sur mon bateau. Et merde. On arrive, on a... Enfin, j'arrive. Ils ont mis au but cette fois. Attention. On a beaucoup souffert. Aïe. Un grand voile au fond. Il faut partir, Shay. Les désirs sont des ordres. Hissez les voiles, ne traînez pas. Nous ne pouvons leur faire face. La Royal Navy. On a beau dire, j'ai encore du mal à m'y faire. Laissez les hommes du roi George s'occuper des pirates. D'autres horizons nous attendent. Fuis vers l'autre mer, ok. On va juste là. On fonce en droit dedans. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un iceberg! Mais j'ai besoin de ça! L'iceberg il est vague. Mais non, ça va. En plus, ça se passe bien, t'as vu? Bon, par contre, la grand voile. Hein. Si on n'ira pas loin. Allez, encore un peu. Voilà, c'est bon. C'est une bonne chose. Maintenant, on peut se barrer d'ici. Ça, c'est une bonne chose de fait. Oui? T'as quelque chose à me dire? Non? Ok. C'est deux jeux pour savoir. Allez, on se barre. On se barre d'ici. Notre fuite ne tenait qu'à un fil, mais...
Nous avons ce que nous étions venus chercher. Et ça? Nous savons donc où naviguent les navires de la Vérandrie? Non. Mais nous avons un moyen de le savoir. Cook pourra interpréter ses cartes. Alors mettons le cap sur la côte de Terre-Neuve. Ok. Émission accomplie. Ne tue aucun gars. Il est marrant, il est marrant, il est marrant, il est marrant. Bon. Wouah, c'est loin. Bon bah je vais faire la route de moi-même. Non, je déconne. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous dire votre avis et à laisser un petit j'aime pour vous faire connaître ce let's play. Et sur ce, on pourra se dire à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah.